Salut tout le monde, c'est Camille pour l'épisode numéro 36 de Far Cry 4. Il est 12h51. Pardon, on est le 18 avril 2015. Je crois. Donc on va aller voir Amita. Je joue un A. Amita, il n'y a pas plus près. Si, plus près. Surtout quelque part un Giro, non? C'est quoi ça? Utkarache. Je ne sais pas. On va aller là. Je sais que là, il y a un Giro. Non, il y en a un là ou pas? Je sais plus. Non, de toute façon, on ne s'est pas éloigné. On va refaire tiens, le plein de mému. La mission! Ouais, tout ce qu'on a à vendre. Vente rapide. Acheter des munitions. Ouais, on n'a pas grand chose à faire. Rater. Vous êtes détruits. Hop. Et il y a un Giro dans le coin ou pas? Oui. Alors, ok. Allons voir Amita. C'est bon. Et hop, hop, voilà, merci. Ça passe, on s'en fout. Oh, j'adore. Oh, merde. D'accord. Compétence. bon, je descends pas. Faut la flemme. Putain. Amita, allez, encore là-bas. Je galère de plus en plus à le diriger alors que je le gérais très bien. Bon, c'est pas grave. Amita, que veux-tu? Sur la route. Amita, je suis dans le nord. Le nord. Je me demande ce que devient Utkarche. Écoute, il y a une cellule du Sentier d'Or là-bas. Des gens bien. Utkarche se trouve au nord du pont. Ouais, et ces gens, ils connaissent la région comme leur poche. Ce serait vraiment bien que tu reprennes le contact avec eux. Mais attention, tu as vu la garde royale. Ils sont bien plus redoutables que l'armée normale. Pas peur. Alors, Utkarche, c'est Utkarche, pardon. C'est exactement ce que je cherchais tout à l'heure. Il faut que je fasse. Je vais quand même. On va esquiver les montagnes dans le doute un peu. Parce que ça me ferait chier de refaire demi-tour, passer à côté. Parce qu'avec le Giro, c'est ça qui est bien, mais c'est pratique, mais on peut pas aller haut. C'est ça qui est chiant. Voilà, ça je veux dire. Ça passe, ça va passer. Non, ça passe. Je vais la mettre à côté. Alors, on va aller. On va pas là. On va se mettre ici. On va se faire une spéciale Utkarche. On va voir ce que ça donne. Est-ce que. Oui, je sais. Ok, alors on va se mettre de loin, je sais pas si c'est des copains déjà de base ou si c'est pas des copains. D'accord, alors les jumelles. Ça a l'air d'être des copains. Bon. Dans le doute, hein. Ah, il va être chiant à sortir de là. On va poncer l'arme. Bon, bah, on va atterrir comme des sacs au milieu. Je ne peux pas. Putain, mais redescends. Bah oui, mais vu que je peux pas aller descendre. Voilà. Normalement, je suis en train de chuter là.
Voilà. C'est la misère. On peut. Oh, ça me gave de pas pouvoir passer dessus des autres. Bon, on va se garer à côté. Oh la vache, j'ai mangé. Oh. Bon, l'entrée, elle est où? Madame, bonjour. Comment t'as fait? Comment t'as réussi à t'évader? Tu t'es servi de tes ongles et de tes dents? Il y a un peu de singe en toi, et c'est ça? De tes dents. Merci. C'est bon, je passe, j'ai pas besoin de votre trou. Juste un petit peu. Wow. Hey Jay, merci de nous avoir réunis avec le Sentier d'Or dans le sud. Tu peux dire à Amita et Sabal qu'on est prêt à se battre. On a choisi des cibles. C'est vraiment sympathique. Takan. Non, c'est ma famille. Oh, et ça. Ça me plaît bien. C'est de la cajou, c'est ça? C'est discret. Et vous alors? Des gens sympathiques, à l'image de leur maison. Des gens, tout ce qu'il y a de bien. Vous savez, on m'a dit que si je voulais vraiment apprécier toute l'hospitalité offerte par Utkarsh, il fallait que je vienne voir les Rana. On a demandé à tout le monde. Et tout le monde a répondu la même chose. Ils sont très très gentils. Ils parlent à n'importe qui. À n'importe qui, ai-je dit? À n'importe qui, ont-ils dit. Et ils ont tellement insisté que j'ai décidé de venir voir ça. C'est trop mignon. Vous voyez, je voulais vous prévenir. Nous prévenir? Bien sûr. Bon, je ne sais pas si vous savez, mais on m'a signalé la présence dans les parages de personnes fort peu recommandables. Et j'ai très peur que ces personnes, ces terroristes, eh bien, qu'ils essaient de profiter de votre hospitalité. Qu'ils viennent souiller votre belle réputation. Et on ne voudrait pas que ça vous arrive, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Non, hein? Bien. Vous voulez bien que je vous protège? Que je lave votre réputation? S'il vous plaît, oui, roi Mine. Vos désirs sont des ordres. Je suis ravi que nous soyons d'accord. Tiens. Bon. Je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps. Ça ne devrait pas être long. Qui ose dire que je délaisse mes sujets? Aïe, 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 aïe. Bon, voyons voir ce que ça veut. Oh non! Non! Ils vont te tuer! Ah je bah. De Pagan. Ah bah oui. Ah, c'est bien parce que... Pour chasser Pagan? Amita, j'ai trouvé Pagan! Je lui cours après! Hey Jay, tu peux mettre un terme à tout ça! Je sais! Je cours après. Ok, Giro... Oh, ça rox! Tu es Pagan. Génial. Oh yeah. En direct d'un lieu ultra secret pour Radio Free Pirate. Bon, l'autre jour, je vous ai demandé de me dire ce que vous pensiez que Pagan. Bon, on l'a pas tué de façon. Il est où? Qui me tire dessus? Je vois pas les gars. Ah d'accord, t'es là-haut. What?
Ok, bonjour, EJ, je t'ai manqué. Bon, bien sûr que je t'ai manqué. Pagan ! Je viens de vous tuer ! Non, tu viens de gâcher un sosie quasiment parfait avec une calvitie naissante. Tu sais combien il m'a coûté ? Au moins, il était même pas asiatique, bordel de merde. Il venait de Melbourne. Son seul crime aura été d'avoir de fabuleuses pommettes. Tu crois que c'est la photo de qui sur les billets ? Peu importe, ce qui est fait est fait. La prochaine fois, ce sera entre toi et moi. Ouais. Putain, mais y'en a combien de ces cons-là ? Ouais, bon, on va pas se faire chier. Avec les deux connards. Putain, je croyais qu'on allait péter Pagan, moi. Bon, d'un côté, tuer Pagan mine, c'est un peu la fin du jeu, je pense. Mais je pensais qu'on allait avoir autre chose derrière. Bon. D'un côté, ça aurait été une mort toute pourrie. Trop facile, je vais tuer. On va aller au sentier d'or. On est en qui, le sentier d'or? On se fait la violence du... On continue. Mais on s'en occupe pas trop pour l'instant. Quand on sera en galère, on fera des petits trucs à côté. Puis, Oh, j'ai réactivé mon micro. J'ai eu peur, putain. J'avais coupé mon micro pendant la cinématique un moment. Ah, d'accord, c'est bon. Je commence à me dire quand même. Vas-y, prends une trahie. Les petites quêtes pour. J'ai vraiment envie d'enquiller la quête principale. Parce qu'on a fait beaucoup d'épisodes filler, etc. avec Xeis, on a eu beaucoup. Et j'ai une fois de la suite. Puis pour vous aussi, je pense. Alors, j'ai rien à prendre. S'il y a un truc là. Pendant qu'on y est. Hop, bonjour. C'est où l'entrée? C'est où l'entrée? C'est l'entrée de la... D'accord, si je passe par le côté, c'est chiant. Ouf. Wow. Dans une petite tente, on est 200. Vas-y, mets-toi devant la télé, EJ, c'est pas grave. EJ, tu tombes bien. Pagan va diffuser un message. C'est quoi ce bordel? Je sais pas, mon frère. Mais on va le savoir bientôt. Bon peuple du Kirat, je sais que vous serez tous ravis d'apprendre que la nouvelle de ma mort est totalement et entièrement inexacte. Je suis en vie et tout va bien. Je t'implore, Kirat, de suivre mon exemple et d'en tirer une influence positive. Le changement nécessite la force, et cette force, je sais qu'elle est en chacun de vous. Je vais moi-même assister à des changements dans ma propre organisation. Miss Noor et Monsieur Paul Dubler, après des années à mon service, ont décidé de s'en aller. Je sais que, tout comme moi, vous leur souhaiterez bonne chance pour leur futur projet. Mais comme eux, nous devons aller de l'avant, sans état d'âme. L'attentat fait à ma vie n'est rien de plus qu'un symptôme de la résistance au changement. Je vous rassure, Yuma Lo, ma fidèle commandante en chef, qui supervise nos opérations minières au complexe KEO, s'interposera entre moi et d'éventuels assassins. On va pour la tuer, quoi. Essayez, je vous mets au défi. Je serais curieux de vous voir la mettre à l'épreuve. En résumé, le changement est bon. Accueillez-le. Votre roi est vivant. Réjouissez-vous. Et Yuma attend, telle une sentinelle. Elle attend
Eh bien, c'est parti, hein. C'est un enfoiré. Je crois qu'il nous appelle, mon frère. Mais... Les mines. Tu sais quoi faire. Oui. On rentre en discret. Quatre cents mètres, c'est ok. Est-ce que ça passe ici? Oh, les mines, d'accord. Faut rentrer en tissu ou pas? Oh, oh, j'étais descendu assis là. Allez, remonte. Je m'excuse souvent pour les premières impressions laissées par Yuma. Elle a une capacité remarquable à massacrer ses premiers rendez-vous. J'adorerais que vous puissiez vous rencontrer sous de meilleurs auspices. Elle a vraiment été un élément déterminant dans la plupart de mes succès. Elle négocie les traités avec mes partenaires internationaux, elle surveille nous et Paul, et elle trouve encore le temps de diriger mon armée. Enfin, il y a quand même cette récente obsession pour les superstitions Kirati. Elle croit que je ne sais pas pour les expéditions qu'elle a envoyées dans les montagnes à la recherche de peintures magiques ou de je ne sais quoi. Je suis aussi ouvert que n'importe qui pour permettre quelques pertes humaines et faire plaisir à mon employé. Mais quand on me pique un peu trop mes jouets, je finis par couper... Ok, tu finis par couper. Alors, ouais, par contre, la télé tout à l'heure était pas forte. Hein. Je sais pas dire un mot. Si je me dis, ça va me péter les oreilles. Si je parle en même temps, vous avez peut-être augmenté le volume. C'est très sombre. Vas-y, remets. Enlève ton truc là. Merci. Oh, une pioche. Pour un minute. Quoi, t'as... Ah oui, d'accord, je suis fou là. Putain, la vache. Ah, je croyais que c'était de l'eau. Ça pue le piège, hein. Ouais, c'est pas mal. 404, c'est pas mal. Ça pue grave le piège. J'y vois rien. Tu peux pas allumer ta torche, LG? Ah, lire. Les parchemins en sanskrit. Je n'ai trouvé qu'une seule personne dans ce pays misérable capable de traduire le sanskrit de « et de plaire ». Me l'envoie à moitié mort. Avant de mourir, il a réussi à traduire quelques fragments de ce parchemin datant de la dernière expédition. Les démons ont envahi Shangri-La. Pas de cette terre. Pas d'un esprit clair. Quelqu'un, quelque chose voulait s'emparer de Shangri-La. Est-ce que ces démons sont les protecteurs de Rashaza? Était-ce la voix de Kalinag? Faut-il que je trouve un autre traducteur? Et ouais, je m'en doutais. Tire, 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 tire. Je m'en doutais que ça fait une piège, bordel. T'es dans mon Shangri-La maintenant. Ah, ok. Mais là, tu prends la mitraille et tu tires partout autour. Oh non! Oh non! C'est toi que Pagan a envoyé pour me tuer? Après tout ce que j'ai fait pour lui? Avant l'arrivée de ta pute de mère, rien ne lui faisait peur. Personne ne pouvait lui résister. Et puis ta mère... Ta mère... Je déteste ça... Oh là 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 là... Oh, bah... Vous trouverez le...
un échantillon de notre kératoxine aérienne. Allez, on trouvait un... Ah d'accord. Le kirat allait forcément finir par te transformer. C'est pour cette raison que nous n'en parlons jamais. Maman. Que nous n'en parlons jamais. Parions jamais, maman. Ok, cher problème, LG aussi. Cher LG, ok. Waouh. Bon, je ne sais pas le reste. En gros, c'est un message de notre mère qu'elle nous a laissé super bien codé, dis donc. Enfin, codé, c'est le du code, quoi. Oh non, une rivière de sang. Ouais d'accord. Bon, de toute façon on est défoncé. Je vais pas courir hein, de toute façon. On va avancer. Je me suis mis debout. Ouais, je veux que tu ailles. Putain, elle est affaiblie, ramollie. Elle en a fait cette coquille vide et maniérée. Et depuis ce jour-là, ce n'est plus un roi. Il est brisé. Usé. Ok, wow. Checkpoint, déjà c'est bien. Checkpoint. Ouvre-toi. Ne t'ouvre pas. J'ai l'air con là quand même. Je peux sauter. Bon, je peux pas aller là. Je n'y vois rien en fait, c'est super désagréable. D'accord. Je vais aller de l'autre côté, voir. T'as pas une torche, quelque chose, c'est trop sombre. Je peux rien faire en plus là, j'ai l'impression. Une corde, quelque chose que je puisse attraper. Ah bah si, d'accord. Pardon. J'avais pas vu, fallait lever la tête. What the... Je suis sûr que je suis en train de tuer des copains. Je suis tellement drogué que je suis dans un village de copains et je suis en train de les tuer. Je sais pas pourquoi je me sens comme ça. T'as compris, Jean? Je suis en train de tuer mes potes. Ah non, j'ai peut-être éteint le feu. Ma direction, je vois rien. Oh la vache! Ah la vache! Bon, j'ai eu le checkpoint, il fallait que je grimpe. Comment j'arrive à tirer si mal? T'es sérieux? Ouais, toi je sais. Et la vache! Waouh, on va peut-être revenir en normal en fait. La difficulté elle est violente. Hein. Bon, c'est peut-être moi qui suis nul aussi. Ça, je me fais brûler. Ouais, on va revenir en normal pour celle-là. C'est peut-être pour ça que j'étais revenu en normal à un moment. Bon, alors. Ah, d'accord, déjà, parce que. Ouais. Eh ben, t'es sérieux toi mec, tu prends 3 flèches. Bon, 12 flèches et je n'arrive pas à te toucher. Faut que j'aille ouvrir la porte en plus. Putain, j'ai eu trop peur. Je
putain. Pourquoi je tire à côté? Et j'ai pas... Pourquoi j'ai pas mon loup? Putain, j'ai plus de... Je vois pas ma vie. C'est grave relou. Toi, j'ai été là-bas. J'ai jamais arrivé, ça. Même en tout. Je veux prendre deux flèches, comment je mange? Je me re-heal à fond. Putain, putain! Ça pue, ça pue. Détruisez la porte, j'arrive même pas à l'atteindre la porte. Allez, éteins le feu, bordel! Pourquoi j'arrive pas à tirer sur lui? C'est quoi ce délire? Je tire à droite? Ah oui, je suis ralenti, super! Quand je vis, ça met du ralenti. J'avais zappé ce principe-là. Putain, mais... Comment on détruit la porte? La porte avec du feu, dégage, dégage. Ah, headshot, ok. J'aurais bien aimé faire la porte. Je tire dans les jambes, non? Je tire à droite, bordel! Ah, voilà! Putain, c'était sa mère difficile, hein! Ah, je voulais utiliser du feu aussi, c'est pour ça. Ok, je ah oui, c'est... Je croyais que ça s'arrangerait, qu'il s'emmènerait! Mais non! Ce qui est brisé reste brisé. Il est resté faible. Mais Pagan ne me brisera pas. Ce pays ne me brisera pas. Et toi? Non, tu ne me briseras pas. Ok, d'accord. Là. Jusque là ça va. Putain, le mec il a un seul grappin, il arrive à décrocher son grappin, relancer le grappin. Et l'épisode va durer 3 heures. On va peut-être l'arrêter là un moment l'épisode quand même. Je suis coincé putain. Ah oh, mais non. T'es sérieux, j'ai réussi à me coincer quoi. Ah la vache. Bon, on va s'arrêter là. Ça c'est la misère. Ça fait en plus 30 minutes d'épisode. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Allez, ciao tout le monde. Ouss.